La chose la plus importante que j'ai eu à faire dans ce monde, c'est de prier. J'ai commencé mon ministère dans la prière et j'ai continué au cours des années, sachant quelle était la valeur de la prière à mon ministère. La valeur de la prière pour les gens pour qui je priais. Et aujourd'hui, parce que beaucoup de mes amis me l'ont demandé, je vais partager des pensées que Dieu m'a données concernant la prière. C'est une phrase que j'ai l'habitude d'utiliser dans mon ministère. Priez. Vous devez prier malgré tous les doutes, malgré toutes les incroyances. Vous devez atteindre un niveau d'assurance, un niveau de connaissance qui vous permettra de savoir et de comprendre que d'une manière ou d'une autre, Dieu va répondre à vos prières. Nous allons parler de la posture dans la prière, l'attitude mentale dans la prière, la détermination dans la prière. Atteindre un stade de connaissance, là où vous avez un oui ou un non en tant que réponse. Je sais que je fais des déclarations concrètes ici, que je suis en train d'établir une ligne claire. Et certaines personnes qui n'ont pas passé un bon moment dans la prière peuvent se demander ce que je veux dire par cela. Et si on peut atteindre un endroit dans la prière, on peut aussi établir ses objectifs. Écoutez ce verset, je lis depuis le Nouveau Testament, le livre de Jacques 5, à partir du verset 18. Confessez vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, afin que vous puissiez être guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Que Dieu bénisse la lecture et l'écoute de sa parole sainte. 1947. J'ai eu une expérience désespérée et en même temps glorieuse en prière. J'ai atteint un point dans ma vie où j'ai su que Dieu voulait traiter avec mon âme. Mais je devais inaugurer ce ministère de délivrance. Et naturellement, je ne savais pas comment le faire. Je suis juste un humain. Et je savais qu'il fallait que je puisse avoir une direction venant de Dieu. Claire et implicite venant de Dieu. Je me rappelle du jour où j'ai eu une occasion et je suis partie étudier. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis allongée face contre terre sur le sol. Et j'ai passé un bon moment dans la prière jusqu'à ce que je sache, que je sente à l'intérieur de moi un état de connaissance, d'assurance que Dieu me guidera, que Dieu me donnera ce ministère. Je serai capable d'imposer mes mains sur les malades et ils seront guéris dans leur corps. Que Dieu va moindre tout prêcher l'évangile de son Fils Jésus avec des signes merveilleux qui me suivront. Oui, je continue d'étudier en prière, cherchant des moyens et des voies pour mieux prier parce que je sais combien la prière est merveilleuse. De temps en temps, j'ai reçu des réponses à mes prières dans ma vie. J'ai vu des œuvres merveilleuses de Dieu. Et je pense qu'une chose importante dans la prière, à part le fait de prier et atteindre un niveau de connaissance, est de trouver la position, la meilleure position qui vous sied dans la prière. Dans la Bible, différents hommes ont eu à prier dans différentes postures. Souvent, Christ avait l'habitude de s'agenouiller sur le sol. Paul parle de comment il s'agenouillait. Daniel avait pour habitude de s'allonger face contre terre pour plusieurs heures. Et la façon la plus intéressante de prier, c'est la façon dont Élie a eu à prier. Il priait dans une position assise avec sa tête entre ses genoux. Voyez-vous, nous sommes sensibles aux choses qui sont autour de nous. C'est facile d'être dérangé lorsque nous prions. Dans cet âge où il y a beaucoup de bruit et beaucoup de choses qui se passent autour de nous, le son, la vue, et ce n'est pas toujours facile de se concentrer. Et nous savons que l'une des choses la plus importante à faire lorsque nous prions, c'est de nous focaliser. Élie a mis sa tête entre ses genoux. Je suppose que c'était pour ne pas entendre les choses qui se passaient autour de lui, ou alors de ne pas voir les choses qui étaient devant lui, afin qu'il puisse être capable de voir et entendre. Et se concentrer sur le Seigneur. C'est Dieu qui est la fin de nos prières. C'est son nom que nous appelons. C'est sa puissance que nous cherchons. Et quand nous prions, comme Christ l'a dit, nous devons rentrer dans notre lieu secret et fermer la porte.
Ce n'est pas forcément quelque chose de littéral, mais ça veut dire que mentalement, spirituellement, on doit fermer la porte, fermer nos oreilles, fermer nos yeux, fermer notre mental aux choses qui peuvent nous déconcentrer. Une autre chose importante dans la prière, c'est d'avoir la bonne attitude mentale. De mentalement rejeter nos faiblesses, nos fautes, et de commencer la prière avec la confession, avec une prière de pardon. Notre attitude mentale doit être de telle sorte que nous puissions crier à Dieu, que nous puissions confesser nos torts, les choses que nous connaissons, qui contribuent à notre faiblesse spirituelle. La Bible dit « Confessez vos fautes les uns aux autres ». Priez avec la confession. Priez avec humilité. J'ai envie de vous raconter l'histoire du docteur et de l'avocat qui ont été convertis à Christ. Le docteur a eu à avoir sa conversion en quelques minutes, alors que pour l'avocat, ça l'a pris des heures de prière d'agonie afin qu'il puisse être né de nouveau. Ensuite, l'avocat a demandé au docteur, « Docteur, pourquoi est-ce que tu t'es converti si facilement ?» Alors que moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Le docteur a dit, « Avocat, j'ai plaidé coupable. J'ai plaidé ton cas. » Je pense qu'il y a beaucoup à dire par rapport à cela. Dieu cherche des personnes humbles, des esprits sincères. Vous devez vous abaisser et vous humilier devant le Seigneur. Souvent, nous nous agenouillons. Je pense que c'est bien plus que cela. Je pense que mentalement, spirituellement, nous devons nous soumettre. Nous soumettre à Dieu et être humbles. Un homme a dit, je suis humble et je suis fier de cela. Et vous savez, il n'était pas humble. L'humilité, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin d'admettre. Vous n'avez pas besoin de dire combien vous êtes humble. Mais c'est une attitude de modestie. C'est une soumission à Dieu. C'est le fait d'être prêt à suivre les voies de Dieu et confesser les choses dans nos vies qui sont mauvaises. Alors, il y a cette détermination dans la prière qui est si importante. Je me rappelle de Jacob, l'homme dont le nom a été changé en Israël. Il est devenu le père de la nation hébreuse. Cet homme est venu à Dieu. C'était un homme arrogant, un homme qui cherchait ses propres voies. Jacob veut dire supplanteur, trompeur, tricheur. Il n'était pas vrai du tout. Son intégrité était très petite. Cet homme avait besoin d'un changement. Il est venu saisir Dieu dans la prière, comme vous et moi le faisons aujourd'hui. Et là, cette nuit, alors qu'il priait, un ange est venu. Jacob a saisi l'ange. Et c'était à ce moment où Jacob a commencé à réaliser combien c'était important que pour sa vie, sa nature devait être changée. Et c'est là toute l'importance dans la prière. Et à ce niveau, il y a une compréhension qui nous amène à réaliser que nous ne sommes pas là où nous devons être. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Ensuite, une détermination qui nous fait croire et tenir ferme dans la prière jusqu'à ce que Dieu puisse étendre sa main et nous changer. Alors Jacob a saisi l'ange. Il s'est agrippé à lui. Et alors que le jour était en train de se lever, l'ange a dit à Jacob, « Laisse-moi partir. » Jacob a dit, « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu me bénisses. Je veux être béni. » Et il s'est accroché. Vous savez que l'ange devait toucher sa hanche avant que Jacob ne le laisse partir. Et après cela, Jacob marchait en boitant. C'était une évidence que Dieu l'avait touché. Et son nom a été changé de Jacob le supplanteur à Israël, qui veut dire prince, un homme qui a lutté avec Dieu. Les jours arrivent où nous devons faire cela. Nous ne pouvons pas abandonner. Est-ce que vous vous rappelez lorsque Paul, le grand apôtre, avait une épine dans sa chair? Il a prié à Dieu 3 fois pour que Dieu puisse ôter cela de lui. Et Dieu a dit non. Mais ma grâce est plus grande que cette épine. Paul, je te donne une grande force et une grande puissance. Et il l'a fait. Dieu lui a donné une réponse et la réponse était non. Mais souvent, le non comme réponse est souvent mieux que le oui comme réponse.
Voyez-vous, lorsque Dieu répond oui, c'est une réponse. Lorsque Dieu dit non, c'est une réponse. Ce que vous devez avoir en tête, ce que je dois avoir en tête, c'est que c'est la réponse. La réponse est que Dieu veut que nous puissions l'avoir. Plusieurs fois, Dieu m'a réprimandé parce que j'insistais à demander des choses que je ne devais pas avoir. Et lorsque Dieu me donnait l'impression que la réponse était non, je devais crier encore. Mais ce n'était pas bon. Parce que plus tard, j'étais heureux à cause de ce qu'il a fait. Parce que son nom est mieux que mon oui. Et son nom est aussi une réponse, de la même manière que le oui l'est, parce qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais l'objectif principal de la prière, c'est de se rapprocher de Dieu et que Dieu se rapproche de nous. Et de voir Dieu à l'œuvre pour notre cause, de jour en jour. Alors je vous encourage à prier jusqu'à ce que vous ayez l'assurance.